Yeah. Rastafari. Yeah. Rastafari. Le Seigneur des Seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Judas, le Shiloh, le Christ noir de l'âme. Yeah. Rastafari. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dieu, Rastafari. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Rasta, veux-tu ne pas prendre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Rasta, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de l'usure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur, c'est là si aille. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Rasta, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Telle croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a écrit. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de truc? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la faire. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur, c'est la tienne, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que celui qui la croit impure.
Merci pour un aliment. Ton frère est attristé. Tu ne marches plus selon l'amour. Ne pose pas ton aliment. La perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Rasta, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux est celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché, car tout est pur pour ceux qui sont purs. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'éducation. Que Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jah Rastafari, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifierez Jah, le Dieu et le Père de notre Seigneur Selassie. Je vous exhorte, Rasta, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jah, non Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nul l'intelligence des intelligents. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Jah, Rastafari Selassie. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, car la folie de Jah est plus sage que les hommes et la faiblesse de Jah est plus forte que les hommes. Mais Jah choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Jah choisit les choses faibles du monde pour confondre les forces. Et Jah a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, afin que personne ne se glorifie devant Jah. Rasta, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Jah détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Dieu la débauche. Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Seigneur, du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc cela si aille dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord ou un temps, afin de vaquer à la prière. Mais retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Rasta, soyez saints et purs, car la circoncision n'est rien, et la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé un esclave de Jah, Rastafari Selassie. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Rasta, soyez saints comme votre Père Céleste. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Jack, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi Rasta, tu es l'idolâtrie. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Jah. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Rasta, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous renquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Mais, si quelqu'un vous dit,
ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Jah. Rasta, soyez dans l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand je n'aurai même pas la foi, j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Oh Rasta, l'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enflamme point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il épuise tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Jack, Rastafarasilasia. Rasta, revenez à vous-même. Comme il est convenable et ne péchez point. Soyez réconciliés avec Jah selon la miséricorde qui nous a été faite. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produise pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les desseins, les désirs de la chair. Car ma gloire, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les actes, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jah. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Car tout ce qui est né de Jah triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.